Bonjour public. Coucou les Lulus, c'est les Galus. Aujourd'hui, c'est une vidéo tuto make-up. Tuto make-up spécial réveillon. Et oui, parce que là, je suis au naturel. Hein. Ouais, c'est pas la même chose que quand t'es maquillée. Et donc, c'est différent. Ah, oui, même forcément. Exceptionnellement, cette vidéo tuto sera faite par qui? Par Pierrick. Parce que je suis un immense artiste, toujours inspiré, très inspirant pour les autres. J'ai une vision très pointue, ouais. Très poussée sur le mariage des couleurs. Je suis comme un peintre, tout simplement. Très bien. Donc ça, c'est une boîte à maquillage. Évidemment, c'est dégueulasse parce que c'est Martine qui en prend soin. Bah, ça prend vie, quoi. Alors, toujours, petite base de fond de teint. On met une bonne couche de fond de teint pour bien cacher les défauts. Par exemple, là, elle a quand même une grosse moustache à cacher. Je les teinte. Bah ouais, mais elle est quand même très présente. Hein. Elle a beaucoup de cernes. Non, mais c'est la lumière qui fait ça. Non. Pour fixer le fond de teint, il faut poudrer. Ah bah oui, ça c'est sûr, toujours. Putain, j'en ai avalé. Là, c'est que le début, mais ça va prendre tout son sens lorsqu'on va rajouter de la couleur. On commence par dessiner le regard avec un eyeliner. Je mets beaucoup d'importance dans le regard des gens quand je les regarde. Tout à fait. Ouais. Là, maintenant, on va rajouter de la couleur. Elle adore le vert, Martine. Alors, évidemment, il faut marquer un peu parce que c'est la fête. C'est agréable, en tout cas, tu fais ça bien. Hein. Ouais, j'ai un bon toucher. Mmh. On va rajouter... Alors, le violet, très bonne idée. D'accord. Ouais. Je pensais pas que le vert, le violet, ça se marie ensemble. Ah, si, ça se marie très, très bien. Alors maintenant, on va s'occuper des sourcils, parce que le sourcil, c'est le regard. C'est le chapeau du regard. Donc, on redessine le sourcil. Faut faire tout le tour. Là, ah ouais, c'est vachement bien. J'ai hâte de voir le résultat. On va redessiner un peu son nez. Comme il est gros son nez, on fait ce qu'on appelle un... Comment ça s'appelle déjà? Un dégrané. Un dégrané, je connaissais pas. Le contouring. Tu sais, je te redessine ton visage. C'est vrai qu'en même temps, ça paraît logique. C'est comme un dessin, on fait le tour. Tout pour à pouvoir fait. Faire ressortir l'intérieur. Et tu remplis après, comme le coloriage. Et oui, c'est ça. Ah, ça affine, parce qu'elle a un visage quand même qui est assez... T'as pas un visage fin. Tu Alors. Sais quoi? Depuis que tu m'as fait le trait, je sens que tout est concentré au ouais. centre. C'est ça. Je me sens centré dans mon visage. Redessiner, comme pour les sourcils, le contour des lèvres. D'accord. Avec un crayon rouge. Alors, vous pouvez rajouter un peu de contour avec le eyeliner. Ça, vraiment, ça... Ça oui. fait un côté un peu sud de la France, tu sais, où elles font toujours un contouring oui. de lèvres. On met bien en valeur la pulposité. Je sais pas si on peut dire ça, le côté pulpeux des lèvres. Tout à fait. Ouais. Ça fait un peu moustache, là, j'en ai mis un peu trop, je vais arranger ça. Testons, papa. Ça, il vous faut absolument, c'est un gloss. Ouais. Ça donne un côté un peu sexy, réveillon. Bon, on a envie de me prendre la bouche, quoi. Ouais. Attention à ne pas en mettre sur les dents. Oh, oui. C'est quand même un classique. Bah, ça sera un peu con. Ouais. Hein. Et pour finir, le blush. Ah ben oui. Et vous rajoutez toujours des paillettes, parce que les paillettes, on aime, surtout oui. pour le 31. Pour fixer les paillettes, vous rajoutez du gloss sur les joues. Ah bah oui. Et ensuite, on prend la paillette. C'est vrai que pour le réveillon, c'est important d'avoir des paillettes. Ah bah oui. Alors après, on pourra en mettre sur les lèvres, mais moi, je dis toujours, trop de paillettes... Tue la paillette. Oui, ça c'est vrai, oui. Ah bah, attends, j'ai oublié quelque chose d'hyper important. Oh, le mascara. Le mascara, pour ouvrir le regard. Comme elle est très poilue, en fait, elle a déjà des gros, oui, des gros cils et des gros sourcils. On va pas te crever un œil, hein. C'est un peu ripé. Le plus important, c'est quand une femme est maquillée, c'est de lui demander comment elle se sent. Bah franchement, là, je me sens hyper belle. Ouais. Je sens que je suis d'attaque pour 2021. Voilà. Et j'ai qu'une envie, c'est dire bonne année.